Écoutez-moi ça, les gars. Attention, les amis, écoutez-moi ce moteur. Oh! Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu kiffes les voitures? Aujourd'hui on joue à un tout nouveau jeu. C'est le meilleur simulateur de caisse. On est sur BeamNG Drive. Toi ma coccinelle là. Devant moi là, il y a une rampe de ski. Derrière moi, il y a une voiture de course. On la fera après celle-là, d'accord? C'est un jeu ma gueule où tu peux faire des simulations d'explosion, des simulations d'accidents de caisse. Oh my god. Alors aujourd'hui il y a plein de choses qui nous attendent comme expérience. Là tu te dis, bon c'est une rampe, on va faire un saut normal. Pas du tout. Regardez à la fin de la robe, qu'est-ce que j'ai mis? Un poteau! Ma coccinelle, elle est morte. Deuxième tentative, on va tenter de faire le vrai saut sans toucher le poteau que j'ai mis. Ok. Alors en bas, ce qui est sympa, c'est qu'on a les kilométrages. Tu vas me dire que ma coccinelle, elle va à 170 km/h là? Non, 185 km/h. On passe pile à côté du poteau. Oh merde, on touche déjà le sol. On a fait une distance catastrophique. Il faut plus de puissance dans le moteur. Fred! Fred! Être dans la piscine. Bon, coccinelle, c'est pas que je t'aime pas. T'es très mignonne. On va tenter de la garer derrière celle-là. Et on change de bagnole. Bam! Eh, t'as vu la plaque d'immatriculation? C'est pas stylé, ma gueule? Écoutez le bruit. Wouah! T'as entendu la dégrée? Écoute ça. Mec, c'est tellement satisfaisant. C'est parti. À combien de kilomètres on va aller, les gars? 200 km! 226! 228! Oh merde, le poteau, j'ai oublié! J'ai oublié, j'étais en train de l'écomateur, j'ai oublié. 400 000 balles à la poubelle, les gars. Mettez des pouces bleus. Voilà, mettez des pouces bleus, les gars, pour rembourser la caisse. Je vais faire un truc avant, je vais tenter de baisser le poteau. Piou! Et le poteau, il débat. Alors ça, c'était la première expérience, le poteau qu'on a mis en bas. Mais vous allez voir dans cette vidéo... Oh mince, j'ai déjà cassé la caisse. Ma carrosserie! On va faire plein d'autres expériences. On va tester plein d'explosions. Le but, rendre la voiture toute riquiquite. La détruire. Oh my god! On dépasse les 200 mètres! Quasiment 300 mètres! Bien joué! Ah, bien sûr, il part! À tourner. Engin cassé, tu m'étonnes. Alors, dans les véhicules, les gars, on en a une infinité. Qu'est-ce qu'on pourrait bien tester qui pourrait aller plus loin que 250 mètres? Ça, la Civetta Bolide. Je la prends en Golden Retour vers le futur, mec. Waouh! Alors, j'ai jamais eu un jeu où le son des moteurs est aussi réaliste que ça. Regardez comme elle est masterclass. Alors, cette vidéo, les gars, elle est en 2K. Du coup, tu peux regarder ma vidéo en hyper bonne qualité. Waouh! Alors, pour ceux qui adorent les voitures, là, je pense que vous passez un incroyable moment. C'est parti pour voir ce qu'ils vont aller à fond. À fond, 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 fond. Regardez les kilomètres-heure. 251 max. Je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. 300 mètres! 300 mètres! 300 mètres! Let's go! What the fuck, ma caisse? What the fuck, c'est de blé, blé, blé! Pourquoi quand j'appuie sur les touches, ça fonctionne plus? Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un simulateur. Tu vois, il n'y a pas de conducteur à l'intérieur. Mais ce serait vraiment ce qui se passerait dans la vraie vie. Alors, ici, les gars, ce que j'ai envie de mettre, c'est un petit poteau. Tout à l'heure, on a mis ça, tu vois. Là, on va mettre le marteau de Thor. Alors, ce marteau de Thor, les gars, il est hyper lourd. Si je veux le déplacer, regardez. Même si je mets ma forge à 100%, il bouge à peine, mec. J'espère que ça va bien se passer. Du coup, là, on va tenter de récupérer ma caisse et voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle fout là, ma caisse? Pourquoi t'es en train de descendre? Non! Oh mon dieu, de tonnerre de Brest. Allez, moins 400 000 euros, les gars. Les gars, maintenant, il manque plus que s'abonner. Déjà lâché le pouce bleu. Dédicace à ces 8 dernières personnes qui viennent de s'abonner. Ça fait grave plaisir, les refs. Bienvenue à vous sur la chaîne. Si toi aussi, tu veux une dédicace, passe à la prochaine vidéo. Abonne-toi en activant la cloche. J'espère que tu l'as fait, hein. Arrête de faire de bruit, tatata. Allez, mec, on est reparti. On va tenter de la cracher sur le matata. Je tentais de péter la que le côté droit de la caisse, tu vois. Genre que le côté. Machallah. Non mais attends, tu te rends compte ce que je viens de faire là? Il y a des bouts de la caisse de partout. Le moteur. Même sur le marteau, il y a encore la carrosserie. Pour faire face au marteau de Thor, il faut un véhicule pour Thor. Ah, on préfère. Waouh, t'entends ça là? Oh. Ça c'est une caisse spéciale pour faire des courses dans le désert. Tu crois que j'ai peur de toi, le marteau de Thor? Même si je me pète en deux, j'ai deux roues de recours. Oh yeah! Oh yo! J'ai failli toucher le marteau de Thor, les gars! Est-ce que j'ai dépassé 300 mètres? Ah, malheureusement non. Ma caisse est devenue une balle. Ma caisse est devenue une balle. En plein dans le marteau de Thor cette fois-ci. On va pas louper.
Mec, je suis tout seul ou genre c'est ultra satisfaisant. En plus du marteau maintenant ce qu'on peut mettre, métal rampe. Elle est nickel. Par contre on va changer de véhicule hein. Mec, c'est la Siretta, toi-même tu sais ma mène. J'ai envie de la prendre comme ça. Wouah, mec, regarde la couleur. Wouah, incroyable frère. On se souvient qu'on a mis la rampe en bas, on va tenter de faire un hauteur. Wesh, 300 km/h. Oh wow. On passe les 400 mètres. 500 mètres de dépassage. Je la dinguerie. En plus, je l'ai mal pris. Vous avez vu, je vais un peu partir sur le côté comme ça. Bon, la map, on l'a fini, tu vois. On est arrivé jusqu'aux 500 mètres. Du coup, on change. Pour vous dire où je suis en haut d'une montagne. On va tenter avec ce véhicule qui fait ce bruit. Je reconnais ça. Ça, c'est une Bugatti, ça. Voiture de police. Oh, à l'aide. 210. Oh punaise, j'ai tapé un truc. 300 km/h. On fait un petit cercle. Wouh. La voiture, elle plane avec le volbutif, ça arrive dans l'eau. Ah, je suis pas dans l'eau, là, mec. Comment on va piquer. Ah, c'est arrêté net. C'est propre. Oh mon dieu, frère. Mais jamais de la vie, je passe cette rampe. Regarde, elle tourne tellement vite, mec. Alors, regardez. Vu là comment elle tourne, eh ben on va y aller avec la voiture de police, c'est rigolo. Oh mon dieu. Oh, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Bon, on y va. C'est trop tard. Allez, ciao. Mec, toutes mes vidéos de ma chaîne, maintenant, ça va être ça. Je vais renommer ma chaîne Unchained Simulator. Non, mais genre, vraiment. Wouah, mec, c'est une dinguerie. Nouveau véhicule. Je vais prendre le bus. Les gars, regardez-moi ce bus. Il va passer. Wouah. Là, mec, j'ai pas peur. Oh. J'ai cassé le truc. Je l'ai cassé. Hop là, allez, redémarre. Mais là, regardez, on va le mettre à fond. Tu vois la barre blanche, regardez. Allez, allez. Ok, je l'ai mis à fond. Le bus, t'as une deuxième chance et c'est ta dernière chance. On va tenter du côté droit, d'accord? Ouais. Ouais. Oui. Let's go. Let's go. On a réussi à le faire. On est en bas de la rampe. Oh les gars, imaginez, je fais ça et genre j'invite plein de potes. Et on est là tous là en train de descendre la rampe et tout. Et celui qui arrive à passer, il a gagné, mais mec. Alors, après cette expérience les gars, j'ai envie d'attacher deux véhicules sur une chaîne et mettre le marteau de Thor en bas pour ce qui se passe. Wow. T'as vu mec, elle est tellement forte, j'ai commencé à voler instant. Merde. 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 Mayday. Mayday. Oh, 2 millions comme ça, perdu. Va falloir activer la cloche les gars. Mec, en fait, je crois que Fast and Furious, en fait, ils font les séquences du film avec ce jeu. C'est obligé. Allez, petit à petit pour pas qu'elle vole directement. Ok. Let's go! Ah non, c'est une deuxième chance, deuxième chance, deuxième chance, deuxième chance. Je crois que j'ai quasiment gravi les 500 km. Oh! Let's go! On l'a même pas touché, on allait trop vite. Pourquoi je pique? Mais attends, mais mec, ma voiture c'est un avion frère. Elle a piqué au lieu d'aller dans l'eau là-bas. On devait aller loin là-bas. Nul. Je change. On va en prendre une sans aileron. Comme celle-là, la base. Ok. Ok. Oh putain. S'il te plaît, touche pas. Let's go. Et la vidoam. La vidoam mec, on est tellement loin. Le vent s'il vous plaît, le vent circulaire. Ouais. Ouais. On y est presque. Continue, roule. On est bientôt à l'eau. Ouais, s'il te plaît. Pas un arbre. Et mince, les gars. Tellement dommage, on était tellement proche de l'eau. Il nous manque 10 mètres. Je pense qu'il faut la prendre un poil plus forte. Celle de tout à l'heure, ce qui nous a fait le record, frérot. Tu te souviens de la verte? Allez, la verte, c'est parti. Hop là, petite accélération. On se met directement sur le côté de la rampe. Ok, là, je pense qu'on est pas mal. Oh, on est passé sur le côté. Oh. C'est tellement beau ce que je viens de faire. La rampe, elle est en plus tellement vite, les gars. Là, j'ai l'eau. J'ai l'eau. Pas l'arbre. La vie, j'ai plus vite que tout à l'heure. Non, pas là. Non. Et t'as cru que j'allais laisser tomber comme ça? Jamais de la vie. Yes. Yes.
On temporise. Oh oui. Oh oui, l'eau. L'eau est à moi. L'eau. On va revenir sur la seule bagnole que je pensais qu'elle allait arriver. Pour moi, c'est elle. Mais c'est juste qu'elle a, comme vous l'avez vu, les gars, un châssis qu'il faut déboîter, simplement. C'est juste qu'il faut que je prenne les bulles là. Voilà, c'est juste qu'il faut que je fasse ça depuis tout à l'heure, en fait. Et après, il faut juste pas trop que je me loupe, quoi. Elle va tellement vite. J'adore comment j'arrache ça. Oh! Je l'ai. J'ai un peu tapé, mais je crois que je l'ai, mec. T'as vu? J'ai enlevé l'aileron derrière. Et là, elle pique pas comme un avion, mec. Oh, s'il te plaît. L'eau. Je l'ai, l'eau. Pas là. Oui, bien vu. Let's go. S'il te plaît. Oh! Oh! Mais c'est une blague! Non, mec, c'est une... Mais attends. Zoom. Je touche l'eau! Yeah! Yes, les gars! Oh là là, la dinguerie. Les amis, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner cette vidéo. Mais la seule chose que je sais, c'est que c'est une fucking masterclass. Je pense que c'est genre la découverte de l'année. Genre vraiment. J'ai trop envie de faire une partie 2 où on pourrait faire toutes les autres rampes avec les potes. Sachant qu'on a oublié de faire celle où je mets les deux voitures liées à une chaîne. Pour ça, objectif, 50 000 likes sur cette vidéo. Et on se dit à la prochaine, les refs. Geek comme un porc, c'était une chaîne. Je donne une chaîne pour un maximum de chat. T'invite à juste cliquer ici si tu veux voir une autre vidéo masterclass. C'était une chaîne. Ciao bye. Zimmer.